Amen. Un grand nom. Comme il dit, comme ce chant qui nous dit, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Et en attendant, combien de nombres en dépend. Nous ne pouvons pas les compter, tellement ils sont transformés. Amen. Nous faisons ça tous ensemble. Au son nom. Amen. Au son nom, Oh mon Jésus, mon sauveur, mon Dieu, combien nous t'aimons de tout notre cœur. Combien nous voulons te servir et marcher à même avec toi, ta Dieu de notre vie. Oh bénis-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton nom soit magnifié à jamais. Amen. Gloire, gloire, louange et honneur à ton glorieux précieux nom que nous adorons et que nous serons bien forts dans notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Arrive, j'étais là. Ils m'ont dit. Les examens coûtent trop cher. Donc, comme tu n'es pas malade, ça ne vaut pas la peine parce que ce n'est même pas remboursable. Comment peux-tu lui faire confiance? Et pour lui faire confiance, il faut le connaître. Sûr et certain, tu sais qui il est. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment avec certitude que tu me dis, mais quand il me dit une chose, je crois. Même si je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai confiance. C'est comme cela, oui, c'est tenu aussi dans le temps. Cette foi que tu dois placer dans ces dieux que toi tu connais, que tu as eu à voir pour moi vraiment, il est capable parce que tu ne peux pas me dire, mais frère, comment est-ce que moi je peux arriver à pouvoir voir que ce Dieu est capable? Mais ma bien-aimée soeur et mon bien-aimé frère, nous avons un livre ici de témoignages. Et comme nous l'avons dit il y a quelques jours de cela, il est le faiseur de l'impossible, l'impossible, l'impossible. Dans l'impossible, 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 il fait cet impossible. Il a compris. Pierre 3, 18, 21 dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison.
comme nous pouvons l'entendre aussi, ce que c'est le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est que aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, vous voulez rendre témoignage qu'effectivement, que pour vous, le monde n'a plus de sens. Le monde n'a plus d'importance et ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est la vie de Christ. Que vous voulez mourir aux choses de ce monde pour pouvoir vivre pour le Seigneur afin de revêtir la nature de Christ. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Chacun de vous doit se rendre compte que ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose que je trouve que c'est juste et que j'accepte effectivement cela de tout mon cœur pour que réellement que ma vie en moi soit conforme à ces écritures. Quand vous allez entrer dans cette eau, et lorsque vous allez ressortir de cette eau, au plus profond de votre âme, vous ne devez plus être la même personne. Parce que ces gestes qui vont être posés ici ne peuvent pas être vus comme étant un geste tout à fait anodin. Mais c'est profond. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Celui qui sera baptisé. Et qui croira qu'il sera baptisé, sera donc sauvé. Donc le baptême a son importance. Là, vous témoignez aux yeux de tous que maintenant, vous appartenez à Christ. C'est pour ça, avant que nous entrions là, je voudrais quand même poser une question à chacun de vous et que chacun, juste courtement, nous dise effectivement pourquoi aujourd'hui il voudrait être baptisé dans cette eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste courtement. Donc je lui ai dit que je veux maintenant obéir à toute la parole de Dieu pour plaît vraiment à Dieu, non pas pour faire du jeu, mais vraiment pour obéir à toute la parole de Dieu. Et Frère Donat était très content, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à tous. Je pense que la plupart d'entre vous savent que moi j'étais baptisée mais catholique. Du coup, en parlant beaucoup avec le pasteur Léonard, je me suis rendu compte que j'étais sous la main de quelqu'un, de quelque chose, mais pas de Dieu. Moi, j'aspire à une vie paisible, que ce soit dans mon cœur ou dans mon âme. Et du coup, j'ai choisi de me faire baptiser aujourd'hui, en votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, tout simplement, moi, j'étais musulman. J'étais allé en Afrique en vacances et j'avais fait beaucoup de choses. Mais je suis footballeur professionnel. Ils m'ont fait faire beaucoup de choses en pensant que ma vie allait avancer. Mais j'ai constaté que ça n'allait pas. Donc, grâce à Vladimir, j'ai croisé, il m'a parlé de Jésus. Et déjà en Afrique, on m'aurait parlé de Jésus. J'ai été délivré. Et là, pour moi, quand je suis rentré, les choses ont commencé à marcher. Et grâce à elle, elle m'aurait parlé du pasteur. Et je l'ai croisé deux, trois fois. Il a encore prié pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de marcher sur le droit chemin. Amen. Baptisé aujourd'hui en présence de tous. Amen. Je vais vous dire la vérité. J'ai déjà été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il a manqué quelque chose. J'ai été baptisé dans une baignoire. Ça fait un demi-siècle, et ça a toujours été un problème pour moi. Je ne savais pas comment régler le problème. J'étais vraiment insatisfait dans mon cœur. Et chaque fois que je voyais des baptêmes, je convoitais un petit peu mes frères et mes sœurs qui se faisaient baptiser. Parce que je disais, ils étaient baptisés dans un baptistère. Pour moi, c'était, je voulais être baptisé comme Jésus-Christ dans le Jourdain. Mais Jourdain, il est trop petit, il est trop grand pour pouvoir aller dans une caisse. Je disais, mon petit Jourdain, c'est une baignoire, enfin, un baptistère. Être en contact avec le frère qui me baptise et puis moi. Alors c'est ça ce que j'avais dans mon cœur, je voulais vraiment être identifié à la parole. C'est la priorité des priorités. On aime notre Seigneur et on est prêt à tout pour lui. Qu'il n'y ait rien qui puisse pas y avoir un doute. S'il y a un doute ou quoi que ce soit, il faut l'anéantir, il faut le bannir. Et là, Dieu avait mis sur mon cœur de parler à mon précieux frère Léonard de cette situation. Et il était d'accord de ce que je me fasse rebaptiser. Et là, quand j'ai vu ça, c'était une grande joie dans mon cœur. Amen. Ah, j'étais heureux. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait faire. Vraiment. Je me souviens, quand j'avais été baptisé, je vais chez les pentecôtistes, parce que j'étais pentecôtiste au début de ma conversion. Et ils venaient de faire construire une église. Et l'église, il n'y avait pas de baptistère.
et j'attendais avec impatience la création de ce baptistère. Je l'ai harcelé. J'ai harcelé que le baptistère, je leur disais, mais faites vite, parce que moi, si le Seigneur me reprend, je ne suis pas prêt, je veux être prêt à partir, il faut faire vite. Alors, toutes les semaines, je les harcelais, ils en avaient marre de moi. Et au bout d'un certain temps, ils m'ont dit, bon, le baptistère, il est prêt. Oh, je sautais comme un agneau, là, heureux tout plein. Quand j'étais baptisé, là, j'étais comme un petit, un mot dans une étape qui est heureux, qui danse, qui saute. J'étais vraiment heureux. Les autres ne me comprenaient pas, mais moi, c'était une grande joie pour moi que j'avais été baptisé. Bien, je ne savais pas que ce baptême n'était pas. Conforme à la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que je suis heureux aujourd'hui de prendre cet engagement à nouveau devant le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma pensée. Parce que comme nous l'aimons de tout notre cœur, nous voulons faire exactement ce qu'il veut. Alors, je suis heureux de venir et d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et dans des conditions conformes à la parole. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Moi j'ai été déjà baptisée dans une église, mais c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à vivre dans cette église, j'ai compris que c'était pas le bon baptême. J'ai été rechercher mon acte de baptême. J'ai été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai été revoir la parole qui disait qu'on devait être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai décidé de me faire baptiser dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux de voir ça. Amen. Nous sommes heureux. Amen. Quel jour de gloire. Amen. Jésus-Christ. Amen. Alors j'ai une question à poser à chacun d'eux qui est importante parce que je crois que cet engagement dans lequel vous voulez maintenant y entrer, et vous l'avez témoigné vous-même aussi, c'est aussi très important pour vous, aussi très important aux yeux du Seigneur. Mais il faut une déclaration qui vient de votre bouche aussi. C'est ce que Philippe a pu dire aussi à l'Église bien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alors ma question suivante est celle-ci. Mon frère Pascal Devon, que Dieu te bénisse en vie d'amis. Je voudrais vraiment savoir si vraiment au plus profond de ton cœur, devant Dieu, devant les hommes et les anges aussi, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de la Bible comme étant ton sauveur et ton maître qui doit dominer et régner sur toi toute ta vie entière. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Oui, je l'accepte de tout mon cœur. Oui, je l'accepte. Thank you.
Thank you.